L'agression contre l'Ukraine a démontré l'importance de la solidarité européenne. Le conflit en Ukraine est toujours marqué par des combats violents et intensifiés, et le nombre de réfugiés continue d'augmenter. Des millions d'Ukrainiens, des enfants et des femmes surtout, fuient l'Ukraine et cherchent refuge dans les pays voisins. Beaucoup d'Ukrainiens ont tout perdu. Notre devoir, c'est de garantir à toutes et à tous un abri, de la nourriture, l'accès à l'éducation pour les enfants, l'accès aux soins de santé, y compris la santé reproductive et sexuelle, y compris le soutien psychologique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Commissaire, nous devons faire plus pour faire face à l'ampleur de la crise humanitaire qui est en cours et qui ne semble pas prête de s'arrêter. Après avoir débloqué un premier paquet d'aide il y a 2 semaines, nous nous réjouissons de cette nouvelle proposition de la Commission pour répondre à une crise dont l'évolution et l'ampleur restent incertaines. Ce mécanisme va permettre de mobiliser les fonds disponibles via React-EU pour aider les États membres qui accueillent le plus de réfugiés fuyant la guerre. À l'avenir aussi, nous devrons être à la hauteur. L'Union européenne doit accueillir les réfugiés, pas seulement les Ukrainiens, mais pour toutes celles et ceux qui cherchent refuge dans l'Union européenne. Cette crise doit être l'occasion pour nous de repenser notre politique migratoire et remettre en son cœur le respect des droits fondamentaux et le respect du droit d'asile. Et bien sûr, notre groupe politique soutient ce financement. Merci.